baigneuse est assise sur le bord d'un bassin. Derrière elle, au rythme d'un tambourin turc, le def, une femme danse en jouant des castagnettes. D'autres encore, qui reposent sur des sofas rouges, boivent ou mangent. Trois d'entre elles taquinent une femme allongée. Celle de droite la chatouille avec une petite baguette. Une grande baigneuse marche vers le fond. Elle porte une coiffe jaune. Une jeune fille debout encense les cheveux d'une blonde assise, les bras croisés. Près d'elle, deux amies se serrent l'une contre l'autre. Une troisième est couchée sur le côté, les bras au-dessus de la tête. Une quatrième se cache les yeux avec la main. Au premier plan, une petite table basse avec des pots, des fruits, une tasse à café, une soucoupe. Près de la table, des vases. Enfin, le personnage principal, vu de dos, est une musicienne qui joue d'une sorte de luth, le tchégou. Lorsqu'on le décadre, le tableau se présente sous la forme d'un cercle ou tondo, inscrit dans une toile carrée d'1,10 m de côté. Les angles sont recouverts par une couche de blanc. Les traces d'une composition antérieure rectangulaire sont visibles sous une partie de cette couleur blanche. La toile a été collée sur un panneau de bois contreplaqué, par la suite renforcée d'un parquetage. Dans le bas du tableau, une inscription latine annonce J. Ingres l'a peint en 1862, dans sa 82e année. Peintre d'histoire, portraitiste, Ingres fut aussi toute sa vie hanté par le nu, et surtout par le nu féminin. Il n'aimait guère l'étude de l'anatomie et ne s'intéressait qu'aux formes pleines et vivantes, n'hésitant pas à déformer tel ou tel détail. En 1807, à Rome, Ingres peint une baigneuse à mi-corps, une femme nue et vue de dos, le bras légèrement écarté du buste, laisse entrevoir l'amorce du sein gauche. Les cheveux sont serrés dans un turban noué. L'année suivante, il reprend ce même thème, la baigneuse dite de Valpinçon, du nom de son premier propriétaire, est assise sur un lit. Elle aussi porte un turban. À ses pieds, fontaine et bassin. La scène est bordée par un rideau. En 1814, toujours à Rome, Ingres peint la grande odalisque. Avec divers accessoires orientaux, on retrouve le turban. Une fois encore, le bras écarté laisse entrevoir le sein. Et un rideau bleu ferme la composition. Roger, délivre Angélique, illustre le thème du Roland furieux de l'Arioste. De l'étude d'après-modèle jusqu'aux premières interprétations, puis à l'image finale, le système pileux et la représentation réaliste du sexe disparaissent. Ingres donne plusieurs versions de la scène. Le peintre travaille pendant 40 ans la Vénus Anadyomène. Il réutilise la même silhouette dans la source, toile qu'il peaufine, elle aussi, pendant plus de 30 ans. Ici encore, le sexe féminin est représenté lisse, selon les normes de la sculpture et de la peinture classique. Dans l'odalisque à l'esclave, les formes ondulantes de l'odalisque couché s'opposent au réseau des horizontales et des verticales. Le tableau avait été précédé d'une esquisse. Ingres donna 3 ans plus tard une réplique avec diverses variantes. En 1826, Ingres avait renoué avec le thème de la baigneuse dans La petite baigneuse ou intérieur de harem. Des personnages sont maintenant visibles autour du bassin.
Il y reviendra à plusieurs reprises. Dessin à la mine de plomb ou dessin aquarellé. Une planche gravée par Réveil en 1851 pour rendre compte de l'œuvre du peintre montre non plus un lit mais un escabeau de style oriental et au fond diverses figures de femmes qu'on retrouvera plus tard dans le bain turc. Il faut donc imaginer une autre version encore, peut-être la dernière, avant le bain turc final. Le bain turc est né d'une commande du prince Napoléon, fils de l'ex-roi Jérôme Bonaparte, pour ses appartements du palais royal. Il fut livré par Ingres à la fin de 1859. Une partie de l'œuvre d'Ingres a été photographiée sous la direction du peintre. Et il existe un cliché montrant un bain turc rectangulaire et daté de 1859. C'est peut-être le tableau vendu au prince Napoléon. Il montre le dos d'une baigneuse inspirée par celle de Valpinson, ainsi que le bassin, le turban et le rideau. Mais le nombre des personnages est beaucoup plus important. L'épouse du prince, la princesse Clotilde, aurait été choquée par cette abondance de nudité. La toile revint donc chez le peintre, qui, au printemps suivant, donna en échange au prince son autoportrait de jeunesse, dont il ne s'était jamais séparé depuis 56 ans. Après avoir repris son bain turc, Ingres le transforme, lui donnant la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Delacroix avait été fasciné par l'Orient. Il avait même voyagé dans les pays du Maghreb. Ingres subit lui aussi cette fascination, mais ne voyagea pas. Ainsi, il transcrivit un extrait d'une fameuse épistolière, Lady Mary Montagu, racontant sa visite en 1716 dans un bain de femmes à Andrinople. Il y avait bien là 200 baigneuses. Les premiers sofas furent couverts de coussins et de riches tapis. Les dames s'y placèrent, les esclaves les coiffant. Tout était dans l'état de nature, toute nue. Cependant, il n'y avait parmi elles ni gestes indécents, ni postures lascives. Elles marchaient et se mettaient en mouvement avec cette grâce majestueuse. Il y en avait plusieurs de bien faites, la peau d'une blancheur éclatante, et elles n'étaient parées que de leurs cheveux séparés en tresses, qui tombaient sur leurs épaules et qui étaient parsemés de perles et de rubans. Belles femmes nues dans différentes postures, les unes jasant, les autres travaillant, celles-ci prenant du café ou du sorbet, quelques-unes négligemment couchées sur leurs coussins. Toute sa vie, le peintre amassa des images, estampes savantes ou populaires, copies de tableaux, fragments de décoration, pages de catalogue, illustrations de revues ou de livres découpés au ciseau. Ingres les étalait autour de lui, prélevait ici ou là des éléments qui l'intéressaient et les intégrait à ses esquisses. Mais ce n'était pas un simple collage. Il demandait ensuite à des modèles de reprendre les mêmes poses et il complétait ainsi ses dessins préparatoires. Le coucher à l'italienne, tableau de Jacob van Loo, peint au milieu du XVIIe siècle, est aujourd'hui au musée de Lyon. Ingres l'avait peut-être vu, et il en possédait une estampe. La pose et la carnation du modèle ont influencé celle de la baigneuse de Valpinson. Et c'est la baigneuse de Valpinson qu'il reprend un demi-siècle plus tard dans le personnage central du bain turc. Parmi les lots de gravures que possédait Ingres, le dossier Orient est considérable. Architecture, personnages, accessoires, motifs décoratifs. Plusieurs ont été décalqués par lui, recopiés et intégrés à ses tableaux. Femme juive en habit de cérémonie. Elle est déshabillée et est reprise ainsi dans la version gravée par Réveil, puis parmi les personnages du fond du bain turc, mais Ingres change la position de sa main droite. Il reprend le geste d'une peinture pompéienne, Hercule et Télèphe, qu'il avait fait copier par un de ses élèves et déjà utilisé pour le portrait de Madame Moitessier.
fille turque à qui on tresse les cheveux au bain. La gravure est reprise telle qu'elle dans la petite baigneuse. Elle est la source de divers dessins qui aboutiront au groupe de femmes se coiffant du bain turc. Fille jouant du tchégour. Elle inspire la musicienne de l'odalisque à l'esclave et le geste de la baigneuse vue de dos dans le bain turc. Fille turque dansant devant son maître. Elle est mise au carreau par Ingres qui la déshabille et modifie la position de ses bras. Elle apparaît dans la gravure de réveil, dans l'aquarelle de Bayonne, puis dans le bain turc. La musicienne noire au tambourin, à gauche, sur cette même estampe, est aussi décalquée, inversée, et devient donc gauchère. Turque allant au bain. Elle est reprise au centre du bain turc, mais à demi dévêtue. Sa servante, maintenant, la précède, dans l'encadrement de la porte, avec sur la tête un vase recouvert d'un pavillon de tissu rouge. Femme turque qui repose sur le sofa sortant du bain. Ingres la déshabille, la met au carreau et l'agrandit. Puis il fait poser ainsi sa première femme, Madeleine Chapelle, puisque c'est encore son visage qu'on retrouve dans une esquisse à l'huile sur papier. Plus tard, il modifie la position du bras droit et reporte cette esquisse dans le bain turc. Lorsqu'il réalise son bain turc, sur la fin de sa vie, Ingres ne fait appel à aucun modèle. Il lui suffit d'assembler toutes ses études, copies ou dessins accumulés depuis plusieurs dizaines d'années dans ses cartons. Dessin s'inspirant directement de gravures, il ajoute d'autres études. Têtes et bras de femmes, jambes croisées, femmes nues couchées ou assises dans diverses positions. Dans le vœu de Louis XIII, aujourd'hui accroché dans la cathédrale de Montauban, Ingres a peint un ange. Après l'avoir calqué, il réutilise son visage dans plusieurs autres tableaux et aussi pour un des personnages de droite du bain turc. Le dessin d'une femme étendue les mains sur le torse, repris pour un des personnages du fond, peut être daté. Il s'insère en effet dans une suite de dessins préparatoires à l'âge d'or. Cette suite porte le nom du modèle, Mariette, et son adresse, 42 rue Saint-André-des-Arts. Le dessin a donc été exécuté à Paris, après mai 1841, au retour du second séjour d'Ingres à Rome. Le dessin préparatoire du groupe de gauche est beaucoup plus tardif. Il montre en effet la courbe du tondo final, exécutée à partir de 1860, lorsqu'Ingres reprit sa toile au prince Napoléon et transforma une composition rectangulaire en une circulaire. Il ne subsiste pas d'études d'ensemble pour le bain turc, mais seulement quelques dessins mettant en place des groupes de personnages. L'analyse en laboratoire permet de comprendre aujourd'hui comment Ingres a pu élaborer son tableau. La toile a été fixée sur le bois à l'aide d'une colle à base de céruse. La céruse fait écran au rayon X. Le tableau ne peut donc être analysé en détail. La radiographie révèle cependant que la toile se compose de trois parties. Une petite partie rectangulaire. Des traces de dépliage prouvent que cette première toile a d'abord été montée sur un châssis. Cette partie est encadrée par une seconde, celle dont on voit transparaître les angles sous les parties blanchies de la toile finale. Enfin, la composition a été encore agrandie afin d'obtenir un carré d'1,10 m de côté. Des prélèvements ont été effectués par le laboratoire du Louvre dans les angles recouverts de peinture blanche. Ils mettent en évidence, en un,
sous la couche blanche qui a servi à badigeonner la surface, une couche bleu-vert. En deux, seulement une couche grise. Comparée à la photographie, la position 1 correspond à un rideau, la 2 au gris du mur du fond. Dans le coin inférieur droit, le prélèvement 3 montre une couche blanche, puis une couche rose chair épaisse. Reporté à la photographie, l'échantillon 3 correspond au mollet de la baigneuse couché du premier plan. Il est donc possible de suivre les remaniements apportés par Ingres à son tableau. Il a d'abord existé sous forme d'une toile rectangulaire. Cette première composition était peut-être centrée sur la joueuse de Tchégour. La baigneuse de droite ne pouvait donc en faire partie. Le deuxième état était la forme rectangulaire plus large que montre la photographie. Pourtant, ce tableau est légèrement plus grand que la toile qui apparaît en seconde position sur la radiographie. Le tableau rectangulaire, photographié en 1859, a donc ensuite été redécoupé par Ingres. La tranche éliminée à droite lui permettait de refaire complètement les bras de la baigneuse. Ingres a ensuite ajouté des bandes de toile pour obtenir le carré dans lequel il pouvait enfin inscrire un cercle. Dans la nouvelle organisation de la toile, la femme couchée au premier plan est réduite. Une nature morte prend la place de son genou. La position des bras de la baigneuse de droite est modifiée. À gauche, une baigneuse vient occuper le bord du bassin et combler un vide de la composition. Le fond est transformé et un peu assombri. À gauche, le rideau disparaît. Un groupe de femmes vient remplir le vide à côté de la danseuse. Ces remaniements successifs et complexes du bain turc aboutissent donc à une image circulaire ou tondo, figure fréquente dans la peinture italienne de la Renaissance, Botticelli, Ghirlandaio, Signorelli, Michel-Ange ou Raphaël. Souvent, les formes sont elles-mêmes marquées par le cercle. Dans l'élaboration finale des figures du bain turc, Ingres procéda peut-être de la même façon. Les bras et les corps des baigneuses du premier plan dessinent des cercles décentrés vers le haut. Les corps des femmes déterminent courbes et contre-courbes qui se déploient, se frôlent et s'enchevêtrent parfois, selon une succession de rythmes ondulants. Les objets eux-mêmes semblent répondre à ces courbes. Seules quelques lignes droites marquent un décor très stylisé. Niche, porte, bord de la table, bassin. La perspective du premier plan est contractée, produisant un effet de miroir convexe fréquent chez les auteurs de Tondi de la Renaissance. Cette déformation optique accentue encore l'érotisme de la scène qui semble vue par effraction à travers un Judas ou une lucarne. Un faisceau de lumière vient du haut et tombe sur le turban et sur l'épaule de la joueuse de Tchégour. La gamme des clartés est très large, du blanc jaune jusqu'au brun noir. Vingt-cinq femmes nues sont assemblées. Une façon pour le peintre de répondre avec humour à l'un des principaux problèmes picturaux de l'histoire de la peinture, le rendu de la chair. Profitant du mélange de races des captives du harem, Ingres épuise avec volupté la gamme des peaux, de l'ivoire au noir, en passant par le rose ou le cuivré. Quelques touches de couleur sur ses carnations, les lèvres, les joues, les points de dessin. Thank you.
Après avoir transformé sa toile, Ingres la revendit en 1865 à Khalil Bey, ancien ambassadeur de Turquie à Pétersbourg, qui résidait à Paris et raffolait de ce genre de composition. Ainsi, l'année suivante, Khalil Bey achète à Courbet un petit tableau, L'origine du monde, une sorte d'antithèse obscène des nues lisses d'Ingres, et un très grand, Paresse et luxure, qui aborde encore plus franchement le thème lesbien déjà présent dans Le bain turc. Mis aux enchères en 1868, Le bain turc passa dans diverses collections. Il fut acquis en 1911 par la Société des Amis du Louvre. La toile suscita autant la répulsion que la fascination. Là, dans ce bain antique, une mêlée de corps mannequinés, avec des disproportions caricaturales, une assemblée de sauvagesse de la terre de feu, découpée dans du pain d'épices. Les frères Goncourt. Une toile de ce malheureux peintre appelé Ingres, que l'on appelle le bain turc, où l'on voit une masse de femmes agglomérées l'une à l'autre comme une galette d'asticots. Paul Claudel. Les femmes d'Ingres présentent toute la symptomatologie objective de l'insuffisance thyroïdienne. Coup très développé, thyroïde au de lobe saillant et hypertrophié, douceur passive et un peu alanguie d'un visage aux joues pleines. Docteur Léniel Lavastine. Les baigneuses d'Ingres et le bain turc furent beaucoup imités. Le décor antique ou arabisant fut le plus souvent pour les peintres orientalistes prétexte à mettre en scène des nus lascifs pour de riches amateurs. Les photographes aussi tirèrent d'Ingres des modèles plastiques. Dès 1850, Eugène Durieux, qui travaille pour Delacroix, s'inspire de la baigneuse de Valpinson. La femme au bain est restée un thème universel. Man Ray, dans une photographie célèbre, Le violon d'Ingres, résume à la fois le peintre de nus somptueux et le violoniste amateur dont la passion était devenue proverbiale. Il est d'ailleurs possible d'imaginer la musique du bain turc. La joueuse de def impose son rythme. Les castagnettes de la danseuse s'y accordent. Plusieurs femmes suivent ce rythme en frappant dans leurs mains. Sur ses percussions, la joueuse de tchégour brode un air classique. L'une des femmes, la plus douée, improvise une chanson d'amour. Rythme, mélodie ou chanson finissent submergés par les ululements traditionnels. Mais la reconstitution orientale exacte n'est pas le propos d'Ingres. Le harem est pour lui l'occasion d'un ultime délire sensuel. Partout, les plis et les replis de la chair cachent autant qu'ils dévoilent. Une femme est en extase, une autre gobe goulûment une friandise, une autre montre avec ostentation à la fois ses fesses rebondies et ses seins haut dressés. La baigneuse lascive au bord du bassin se caresse l'épaule avec la joue. Les femmes du groupe de droite sont vautrées les unes sur les autres. Une main caresse un sein, mais appartient-elle à l'une ou à l'autre des deux amies? Derrière l'orgie de chair vivante du bain turc, on devine une foule de personnages réels. D'abord les modèles qui, comme Mariette, ont posé pour lui dans sa jeunesse. La languie, offerte et caressée par le crayon ou le pinceau, d'autres femmes encore. Assises mollement, ventre et sein en avant, cuisses voilées mais largement écartées, cette femme a la même pose que Madame Moitessier. Et si c'était Madame Moitessier elle-même? La belle blonde qui observe la scène avec indifférence, c'est Adèle de L'Oréal, dont Ingres fut amoureux à Rome, et qui lui présenta sa cousine Madeleine Chapelle, avec qui il se maria. La grâce et molle indolente du premier plan, c'est justement Madeleine, première femme du peintre, croquée vers 1815 à Rome,
au moment de sa splendeur charnelle. Et la fille à la Chéchia, avec ses cheveux châtains coiffés en bandeau, ressemble un peu à Delphine Ramel, seconde épouse du peintre. Peut-être faut-il voir plus encore dans ce tableau testament. Le vieil homme échange sa toile scandaleuse contre son autoportrait de jeunesse. Il le découpe et le refond pour lui donner la forme qu'avaient jadis les tableaux religieux. Mais le bain turc témoigne d'un culte tout nouveau. Parvenu au sommet de sa gloire, le peintre respectable n'a plus rien à perdre. À l'approche de la mort, les voiles tombent. Dans la mémoire du vieux peintre, toutes les femmes, aimées ou admirées, possédées ou non, encore vivantes ou depuis longtemps mortes, sont mises à nu et se mêlent lascivement. Seul mystère, au centre, la baigneuse au visage caché, comme si ce simple dos nu était la trame secrète d'un rêve poursuivi tout au long d'une vie. Peut-être n'y a-t-il à l'origine qu'une image peinte, celle d'une invitation sans équivoque, et un désir sans cesse renouvelé que la peinture seule, à la longue, pouvait assouvir.